un plan de match commun. C'est la façon dont le président américain Joe Biden a décrit les 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié américain pour le marché de l'Union européenne cette année. Aux dernières nouvelles, la Russie fournissait environ 40% des besoins en gaz de l'Union européenne. À long terme, l'objectif est d'augmenter 50 milliards de mètres cubes par an les volumes de gaz naturel liquéfié des États-Unis vers l'Union européenne. Je sais que l'élimination du gaz russe aura des coûts pour l'Europe, mais ce n'est pas seulement la meilleure chose à faire d'un point de vue moral. Cela va nous mettre sur une base stratégique beaucoup plus solide. Le gaz naturel liquéfié supplémentaire remplacera une partie des approvisionnements énergétiques que l'Union européenne reçoit actuellement de la Russie, en gardant le chauffage allumé tout en rapprochant l'Union européenne de son objectif d'une plus grande stabilité du gaz. Nous voulons, en tant qu'Européens, diversifier nos activités en nous éloignant de la Russie pour nous tourner vers des fournisseurs en qui nous avons confiance et qui sont nos amis. Les prix du gaz en Europe ont récemment été parmi les plus élevés au monde. Certains dirigeants européens doutent que les prix soient affectés par le nouvel accord, affirmant que la pleine capacité des terminaux de gaz naturel liquéfiés aux États-Unis et dans l'Union européenne signifie qu'une augmentation des livraisons sera difficile. Mais ils se sont mis d'accord sur une chose, débarrasser l'Europe de sa dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Dès que possible, on a demandé au Premier ministre slovène quand ce serait. Plus tard que nous le souhaitons et plus tôt que M. Poutine ne le souhaite. Lors du sommet de l'Union européenne de vendredi, la division des dirigeants sur les prix de l'énergie était claire pour tous et a éclaté au grand jour. Certains pays veulent une intervention sur le marché pour faire baisser les prix, d'autres s'y opposent. Au milieu des inquiétudes concernant la sécurité de l'approvisionnement et la flambée des prix, le président américain Joe Biden a noté un autre point. La crise offre l'occasion de redoubler d'efforts pour les objectifs d'énergie propre. Et l'accord sur le gaz comprend un engagement à réduire l'intensité des gaz à effet de serre de toutes les nouvelles infrastructures et pipelines pour fournir le gaz naturel liquéfié américain supplémentaire à l'Europe.